Bonjour, bienvenue chez Belbusté. Je suis Charlotte, la fondatrice. Ma chère vidéo. あ、キリキちゃん。かわいい。お久しぶり。サルー。ボンジュール。ヤッチー。サバ。サバ。サバ。ヘロー。サバ。サフェロンコーです。はい、それでは、ちょっとシャルロットにインタビューしたいと思います。はい。ボンジュールシャルロット。ボンジュール。Monsieur bien. Bon, coucou, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue ici à l'atelier. Écoute Aya, bon bah toi tu connais un petit peu quand même l'atelier ici. Ouais, bien sûr. Ouais, donc ici en fait c'est un studio de création qu'on mène avec Sayaka, du coup, ici. Et en fait ici on va venir créer des recettes. Voilà, à la base on fait du traiteur pour des marques, donc on fait des créations culinaires, mais voilà, on fait aussi des cours de cuisine ici sur cette grande table que tu vois là, sur les pickles, sur les mochi et les rouleaux que vous allez, que je vais vous expliquer voilà, tout à l'heure. Et on vend depuis peu nos produits de petite épicerie et quelques objets de décoration. Wow. はい、シャルロットにいろいろ商品を紹介してもらいたいと思います。はい。Alors, je t'emmène. Ouais, c'est bien voir par là. Bah ouais, écoute, alors tu vois là, on a nos étagères où on vend tous nos petits produits. Je vais te montrer quelque chose, je pense, qui va te plaire. Qu'est-ce que tu penses de ces petites guimauves? Est-ce que ça te fait rappeler quelque chose? Peut-être que les Japonais retrouveront peut-être l'art du Mizuiki. Donc ça, c'est des guimauves. C'est leek, c'est la friandise française par excellence, avec les pâtes de fruits par exemple. Et on est venu s'inspirer de l'art du Mizuiki, donc les nœuds qu'on peut retrouver dans les papiers cadeaux. Voilà, et donc là, on a mélangé des goûts assez inédits. On a du litchi, du matcha, des fruits rouges. Très joliment, ces guimauves. Là, la guimauve, elle a un symbole d'amour. Celle-ci, c'est l'amitié. Peut-être que vous connaissez au Japon, non? Oui, oui, oui. Je... Mizuhiki, ですね。日本の oui, déjà vu. すごい。これをギモーブにしたっていうアイディアですね。ここにね、日本語書いてる。ご縁、葵、葵。Ouais. めっちゃ美味しい。そう。Super bonne idée. Ouais, les filles. C'est encore? Tu dis, hein? Écoute, voilà, par là, on a plein de petites choses. On a des savons de la Drôme, voilà, et de Lyon, ici. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau, exactement. Voilà, c'est une jeune herboristerie qui fait donc ces petits savons avec des huiles essentielles françaises naturelles et qui fait ça à Lyon. 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 Tu connais? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, vous connaissez, vous connaissez la nourriture à Lyon. C'est très, très bonne ville pour... pour manger, il y a beaucoup de restaurants hyper sympas. Et donc du coup, je voulais t'emmener voilà voir par là nos pickles, nos fameux pickles. そう、これはね、ピクルスですよ。J'ai trouvé un joli bouquin pour les mettre en avant. Trop joli. 見て。Voilà, vous pouvez voir, ça c'est vraiment notre produit, les filles viennent de les finir. Les pickles, c'est un peu, bah tu connais, c'est un peu notre produit iconique. C'est vraiment le produit par excellence voilà, qu'on fait ici. Et c'est, on s'inspire de l'art du mukimono, donc voilà, japonais. Mais les pickles, c'est aussi ultra français. Nous, on adore les pickles, les cornichons, manger à l'apéro avec un verre de vin, un peu de fromage. Ouais. Voilà, donc on aime bien nous l'apéro et donc du coup ça mélange vraiment encore une fois nos deux cultures. Voilà, la culture française, la fermentation aussi, on le dit nous dans le vin, dans le pain, plein de trucs. Mais en tout cas là dans ces bocaux ça mélange vraiment les deux cultures japonaises et françaises. Et on fait les ateliers ici où les gens apprennent. アトリエ、ウィウィウィ、そう、これ作れるんです、ここで。そう。
Il y a des petits, il y a des mamies, des dames plus âgées, il y a des gens qui veulent venir avec leurs enfants. Donc c'est vraiment tout type d'âge, que ce soit âgé ou plus jeune, qui viennent ici. Des copies, elles viennent entre copines. Donc il y a vraiment des bonnes ambiances quand les gens viennent ici à l'atelier. On est vraiment comme à la maison. Oh, c'est super. Ouais, vous pouvez voir les petits poissons là. Ça c'est à l'algue kombu. Donc petits poissons, ça c'est des petites peaux de courgettes, vous voyez, on a du daikon, des carottes couleur. On a des baies de goji aussi qui sont là, des baies de sancho. Ah, je vois que les filles ont mis des petits pois. Oh, c'est mieux. Et haricots verts, ça c'est un peu nouveau aussi. On essaye vraiment de prendre des légumes de saison à chaque fois de toute façon. C'est super bon, ça va vraiment bien avec le fromage. Vraiment, vraiment bien. Un verre de vin rouge. Avec fromage. Tu connais le tsukemono? Oui, mais comme tsukemono, c'est nouveau. Nous, les pickles, c'est vraiment, tu vois, c'est comme les olives. Les olives à l'apéro, c'est... Je vais te montrer du coup aussi les cristaux. Les cristaux, c'est quoi? Je sais jamais le dire en japonais. On dit kohakuto. Kohakuto. Donc le H, tu l'aspires un peu. C'est difficile. C'est difficile à dire. Kohakuto. Donc cette jolie boîte, on vient de la sortir, donc il y a des kohakuto dedans, donc c'est pour nous, parce que les Français ils connaissent pas vraiment ce produit là, c'est un peu comme une pâte de fruits, quand je l'explique aux Français, c'est un peu comme une pâte de fruits cristallisée. Ah oui, c'est ça. Tu vois, parce que les gens ici ils ont besoin d'un repère, de savoir à quoi ça ressemble au niveau du goût. Ça les rassure un peu aussi de savoir que c'est un peu une pâte de fruits, parce que les gens pensent que c'est très sucré. Et donc on ouvre sa jolie boîte. Vous avez vu Arnold qui nous a fait... Arnold, tu te souviens? Il a fait l'illustration de la boîte que vous voyez là. Vous avez donc ce petit carreau de dégustation. Et là, vous ouvrez votre boîte très joliment. Donc, vous retrouvez la fleur de prunier. Et vous avez, voilà, quatre saveurs exactement dedans. Donc, on a chai. Ume. Poire. Et yuzu citron. C'est mélangé. Exactement. Donc il y a purée de poire, à chaque fois on fait tout maison bien sûr. Et ces cristaux, là-bas vous les connaissez au Japon, mais ici on a vraiment essayé de faire en sorte de, que le goût soit vraiment plus fort pour le palais français. Et ça tu vois, tu en mets pareil, on essaye de... Tu peux le manger avec un thé matcha accompagné, mais tu peux aussi par exemple en mettre quelques-uns dans ton champagne. Champagne. Une coupe de champagne. Ah bon? T'en mets dedans. Vous avez du champagne? Ça va super bien, la poire et le champagne, ça se marie super bien. Et on peut aussi le manger avec du fromage. Fromage aussi. Tu sais la pâte de coin, pâte de fruits que tu manges avec le fromage souvent. Souvent les Français ils mangent de la pâte de fruits avec le fromage, pâte de coin, pâte de cassis, avec du chèvre. Et donc là, on s'est rendu compte qu'avec les cristaux à la poire, ça se mariait vachement bien avec le chèvre, par exemple. Les yuzu, ça peut se marier avec le bleu, tu vois. Bleu. Ah bon? Ouais, c'est vraiment bon. Oh, merci. Et là, donc ici on fait un petit tour, comme tu vois on vend vraiment plein de choses. C'est une petite sélection pour le moment, sélection d'objets français et japonais. T'as des bougies, des savons, donc on en a parlé tout à l'heure, les fameux thés, donc toute la gamme de thé qui vient de Shimane no Ocha. Oui. C'est très très bien, Colette. C'est une illustratrice française qui nous a fait ça. Et elle a fait toutes les illustrations de la petite épicerie et aussi des thés. Merci.
qui m'a parlé. Voilà, et là on a plus l'espace Ako, donc on a les encens d'Ako qui viennent de l'île d'Awaji. Oui. Voilà. Mmh. Il y a pas mal dans des concept stores, je pense, déjà vendu les Ako, ça se vend pas mal. Mmh. En France, on est les premiers à les avoir ici. Mmh. Oui, 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 c'est ça. C'est ça qui est plutôt pas mal. Donc, en France, c'est la première fois que tu as dit ça. Et on a les plaids que tu aimes bien. Et donc, je sais pas lequel tu veux montrer, peut-être celui-là. Allez. Regarde, tu veux voir? Regarde comme ils sont jolis. Alors, ça, c'est Olivia Wendell, wow, une américaine. Ah, kawaii! Kawaii! Donc, il a un maneski. J'adore ça! Principalement des animaux, elle fait des éléphants, des tigres, des éléphants. Elle fait aussi pas que des plaids, elle fait des tapis et des coussins. Et soie aussi, des foulards. Ah, ouais, d'accord. Super jolie, elle fait plein de choses. Oui, j'adore. So, ここで昔てか前トラの柄のブランケットを買いました。Et c'est pareil, Olivia, elle n'est pas vendue encore en France. On est les premiers à la vendre. On est hyper contents. So, これはサビアンデガルボス。Kimchi, kimchi, miso, thé, bien sûr, les bouillons. Donc bouillon fait avec les chutes de pickles, tu vois les quand on a scruté donc les pickles, on fait des bouillons chinois, tu vois. Voilà. Et on a bien sûr la vaisselle d'Arnold. Oui, oui, oui. Voilà. So, Arnold et Barbosté ont collaboré et ont fait des œuvres aussi maintenant en temps limité de vente.私もマッシュもここにたまにお仕事としてお手伝いに来たりとかしたりしてるんで、もうシャーロットとは2年か長いお付き合い、長いお付き合いです。でホームページの写真とかは結構僕が撮影したりしてます。サリューサリューサリューサリー違う、アマンダです。アマンダサイカさん、こんにちは。今ちょっとピクルスを作ってるところですね。こんにちは。あ、めっちゃアマンダアマンダめっちゃ仲良くしてくれてるから、いつもバルボステの一番人気、今の人気商品で、飾り切りをこんな風にいっぱい、日本の飾り切りとアジアの飾り切りとかいろいろ使って、これをこの中に入れてお魚が泳いでたりとかしてます。はい、そう、めっちゃ大人気商品。食べれるんですもんね。そう、一応食べるもの、ね、これが材料。ここが材料。ほら、かわいい。お花チューリップ。あ、これチューリップなんや。これ新しいですね。新しいね。あと、かわいい昆布の三日月。細かい。こんなの。細部がね、すごいんですよね。あとは今回は、山椒とか、こういうなんていうの、スパイス？うん、とかを入れて味を変える。そう、味変わるんですよね。変えれるって言ったり。そうそうそう。あとはなるべくこう端っこを捨てないように。ここの下には全部この端っこたちを細かくしたものを下に入れてる。なんか全部くまなく使えるようにやな。ピクルスってこの味を乗せるのもあるけど、お野菜の出汁というかそういうのも出るんですか？あ、それも出るし、まあ、あと昆布の味とか。あ、ほら、入れてる。これはすごい、結構ちゃんと時間をかけてお出汁を出したり、山椒の風味を入れてるから結構ちゃんと味がするし、まあ、そんなに酸っぱすぎないから食べやすいかなって。なるほど、仲良しがある。アマンダとはね、いつもそうお手伝いして一緒に仕事してることがあるので、はい、超仲良しです。あやちゃん、かわいいです。日本語も喋れる。パフェ、パーフェクトアマンダです。パハルジャポネ、パハルオングレ、パハルフォンセ、ツー、フォーメーションね。ありがとう。ありがとう。ラブ。ラブ入りました。
クルス味見させてくれます。イエーイ。じゃあお花いただきます。いいね、お花もらえた。うん、美味しいよ、めっちゃ美味しい。今マジになったな。さすがっすね。美味しいね。甘い、甘酸っぱい。甘酸っぱい。うん、めっちゃ美味しい。甘くなってるから。さすが。これやわん。美味しい。うん。なんかこっち来てさ、お漬物とかがあんま売ってないからさ、うん、すごいクルスが美味しくて嬉しい。ほんまに。美味しいな。嬉しいよな、うん。クルスも美味しいし、飾りがめっちゃ可愛いからプレゼントにもいいし。で、あやちゃん、今日の目的は何でしたっけ？もなか。ね。ということで、早速もなか作ってもらいましょう。はい、方はもなか作ってくれます。手作りの白あんとマスカルポーネがそこに入って、これもここで作ったフランスのオーガニックの小豆のあんこ。これは抹茶の生クリームのクリーム。これ白玉団子、抹茶とちょっといちごで色つけてるけど。あ、いちごで色つけるんですね。うん、いちご季節なので、いちごを乗せて、みたらしソース、あ、みたらし、はい、ちょっとだけ。それで出来上がり。おー、こういう感じで。でかわいい。はい、どうぞ。いやー、ありがとうございます。じゃあいただきます。いただきます。ボンアペティ。よっしゃ。おー、いいね。中がめっちゃ可愛くない？こうやって見ると、うん、もなかってこんな可愛かってんな。いや、こんな中たっぷり入ってるのはあんまないと思う。もなか言うてもてもな。もなかじゃないから。あ、もなか、あ、そっか。もなかじゃない、もなかな。もなかが普通ちゃん。あ、そう。きた？おいしい、甘っ。なんかあれ、アイスみたい。そう、抹茶いいね。うん、懐かしい。日本であんまもなかで食べた記憶がない。白あんめっちゃ好きやね。うん、まあ、あ、うん、きた、うん、まうまよかったね。白玉うまおいしいね。うん、うわ、あんこってこんな美味しかったんや。どう、今までのイメージと、もなかの違う。あ、違う、うん、全然なんか普通にスイーツ。あー、でも確かにすごい、面白いね、こんなんフランスないもんな。あんこだけのイメージやもんな、もなかって。うん、あマジで早すぎ。あと5個ぐらい食べれそう。そうやねん。めっちゃ美味しい。これはええわ。これはええわがめっちゃ関西人。これはよろしいですわ、ほんま。わあ、可愛い。いいよ。ウェイトミニョン。いいね。見せつつメンサがたまんじゃんわやべっけ。これ買います。いいね。プレゼントよ。カード。クッカード。ルビオン。よかったね。うん。待っててね。持って帰るわ。うわ。嬉しい。あー、早止めにしよう。で、セミウクツル。ツルがいいかな。おい、じゃあどうツル。どれがいいやろ。
これかな、その下の一番下これ、うん、私これが好き、はい、ラダネロシシ、セラ、はい、うわじゃあデルニエしよう、はい、じゃあこれで、はい、わあ、Mais j'espère que ça rentre dans le sac. Un petit cadeau pour vous deux. Oh, merci. Merci. Trop gentil. Merci. Oh, Charlotte. Charlotte, merci. Merci de travailler avec nous, avec Balbusté. Oui. Parce qu'on est en soleil quand même depuis pas mal de temps maintenant. Merci. Ouais. Merci pour ce travail aussi. Ouais. Ouais. はい、よかったね、ちゃん。買いました、バルボステ。バルボステの推し。バルボステ。もうね、お世話になりまくってるんで。ね、よかったね。そう、多分めっちゃ喜ぶと思います。うん、じゃあ帰りましょうか。そう、帰りましょう。はい、いい一日でした。おお。これをちゃんと使ってみました。いいな、やっぱそうすると素敵。ゆず、梅、ポア。チャイにそれぞれも大御所というか、こう大きい王様みたいなのがあるな、王様みたいなのがあるんですけど、うん、こういったかね、こんな感じで真ん中に穴が開いてる、うん、これ実は全部手作業で切ってるねんでな、あ、これは型があるか、型があるけど、例えばこっちの宝石形のは全部カットしてます、すごい手作業です、わー、いい音、はい、ほら中が外はカリカリ、中はね、ゼリーみたいな感じに結晶してます。うん。はい。いただきます。ゆず？ゆず。いただきます。うん。いや、うまいな。美味しい。うん。私はこの梅も食べたかったんですよ。わ、梅。ちゃんと梅の形やん。おー。綺麗。はい、キホ。いただきます。うん。わあ。美味しい。美味しい。これはうまい、うん。甘酸っぱい感じの。うん。バルボステのほんまにすごいところが、うん、見た目めっちゃ美しいじゃないですか。うん。味めっちゃ美味しいんですよ。そう。あの、なんか見た目以上、見た目もサプライズやけど、うん、味の方がさらにサプライズやねんな、逆にうんまってなるから、コア美味しいで、うん、用なし、間違いない、美味しい、コアが一番好きかも、これでチャイ食べます、うん、うま、美味しい、うんで、ちなみに最後シャルロットがプレゼントしてくれた、うん、このロウソクをお見せしたいと思います、おお、わあ、かわいい、かわいい、てか触り心地がめっちゃいいな、すごい好きなロウソク、おいしそうに見えてきた、なんか食べれそうやな、こう見たら一緒に食べれそうタイミングで食べたよね、うん、これもくれたな、うん、ありがとうシャルロット、ありがとう、使うね今回はアーノルドとのコラボなのでこういう形だけど、前はまた違う箱やったし、うん、次回は今度また季節によって味も変わるんで、そう、春夏、はい、あ、じゃあ夏かな、夏用が始まると思います、新しい味で、なので皆さんがお求めするときには違う味になってるとは思うんですけども、うん、もう毎回美味しいんで間違いないと思います、うん、あと概要欄の方に、バルボステのホームページと、あとインスタグラムも載せております、ワークショップのね、体験からを、アトリエでね、物を購入したりとか、そういう情報は全部インスタグラム、ホームページを見ているとわかると思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください。さやかさんの方のインスタの方ではですね、あの、日本人向けの日本語での料理教室も行っているらしくてですね、そのアナウンスもされるようなので、気になる方は見てみたり、もう、あれだったら問い合わせしていただいてもいいかなとも思いますので。ほら。うん。そう、オンラインでできるんでね、日本から。うん、そうそう、日本からでもできます。うん、そうだからオンラインワークショップもしてるし、うん、リアルもしてるし、うん、販売もしてるし、でイベントがね、もう
コロナが落ち着いてきてイベントも始まってきたらケータリングもどんどんどんどんやっていくようなので、ますます楽しみですね。そうですね、うん、インスタグラムがすごい綺麗なのでフォローしていただけると多分ね毎回ね面白いこう、ね、イベントとかの情報とかも常にアップしてるんでシャルロットが、うん、ぜひぜひ見てください。そうほんまもう僕ら大好きな大好きなスタジオなんで、うん、また次撮影楽しみです。そうよね、うん、いつもあやちゃんとマシュ2人で撮影になってるそれではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント。あもう全部食べちゃいそうやから下手綺麗やな。ピントコス、あー来た、綺麗ですね、すごい素晴らしい。